Dear delegates, good afternoon. Could you please take your seats and we... Chers délégués, je vous donne le bon après-midi et je vous demande de bien vouloir prendre siège pour qu'on commence. Prenez vos places, s'il vous plaît. Chers délégués, on vous prie de bien vouloir prendre place. Chers délégués, bon après-midi. Pendant ces derniers jours, on a quand même constaté une bonne progression des travaux de différents groupes de contact. Nous tenons à féliciter tous nos délégués et co-responsables pour leur travail acharné et leur dévouement. Malgré le progrès qui a été obtenu lors de cette cadre, il faut quand même constater que ce sont lents ces progrès, pas significatifs. Chers collègues, il ne nous reste donc que 2 jours et demi et nous devons progresser vers un cadre pouvant être adopté à la COP 15, partie 2. At COP 15, part 2. Therefore, cela dit, chers délégués, nous devons absolument agir avec urgence. Chers délégués, cette plénière aujourd'hui est convoquée à 3 objectifs. D'abord, nous allons faire l'état du progrès et de l'avancement sur point 4 sur le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Nous entendrons bien sûr les rapports des co-responsables des 5 groupes de contact sur ces points. Après avoir entendu ces rapports, mon co-président et moi-même, nous tenons à vous faire part de nos réflexions sur l'état d'avancement du processus et les prochaines étapes possibles. Deuxièmement, nous ferons le point sur le progrès réalisé au titre du point 5 de l'ordre du jour sur la DSI. Nous entendrons un rapport des co-responsables du groupe de contact sous ce point spécifique. Troisièmement, nous reviendrons au point 4 de l'ordre du jour et entreprendrons une première lecture du projet de décision révisé pour adoption à la CDP 15 afin de fournir une opportunité pour un premier retour de formation sur cette question. Avant que de ne commencer, nous voudrions maintenant inviter le secrétariat de bien vouloir nous fournir quelques informations logistiques pour la réunion. Secrétariat, vous avez la parole. Merci, monsieur le coprésident. En coopération avec le pays hôte et les installations, on a adopté une série de mesures qui ont comme but de réduire le risque de propagation du COVID-19. Tous les délégués ici en présentiel sont priés d'avoir été d'abord vaccinés et puis se soumettre à des tests rapides chaque matin avant que d'en accéder aux salles de ces installations. Un résultat négatif doit absolument être soumis à l'entrée de ces installations. À l'intérieur de l'installation, vous êtes prié de porter des masques à tout temps, l'exception faite seulement lorsque vous vous adressez directement à la réunion ou lorsque vous consommez des aliments ou des boissons sur les lieux des restaurants. On a aussi fait de sorte à assurer le distancement social afin d'éviter une influence trop élevée. Le nombre total de délégués permis dans la salle à tout moment est limité. C'est la raison pour laquelle les badges verts et rouges secondaires pour accès sont nécessaires, en sus du badge spécial pour cette réunion. Il y a aussi l'espace qui a été prévu pour l'observatoire, mais ça aussi a été limité. Nous avons fait de sorte que tous les groupes de parties prenantes puissent être représentés dans cette salle. On a donc prévu une salle supplémentaire en galerie, ainsi que sur d'autres lieux de débordement, comme on dit. On a reconnu que ceci n'est pas idéal. On a quand même essayé d'atténuer ces inconvénients par d'autres mesures. Pour ce qui est des déclarations de la part des régions, seront limitées à 6 minutes. Les parties à 3 minutes, les grands groupes en 3 minutes et observateurs à 2 minutes. Comme vous le savez, il y a aussi une montre qui est affichée sur l'écran qui vous aide à mieux gérer votre temps. Oui, mais s'il vous plaît, n'accélérez pas trop votre pas de lecture. Plutôt, lorsque vous parlez, et veuillez quand même, vers la pause entre
phrases afin de faciliter la vie des délégués et des interprètes qui vous suivent. Pour ce qui est des déclarations en plénière, les délégués sont priés de télécharger le document de leur déclaration en se servant de l'application en ligne mise sur la page de la réunion. Aussi, prenez note du fait que les déclarations ainsi téléchargées ne sont disponibles que pour les déclarations qui seront faites pendant les plénières. Ce sont des textes qui seront aussi disponibilisés aux interprètes afin que ce dernier puisse vous aider mieux lors de l'interprétation en toutes les langues officielles des Nations Unies. Par la suite, sont ces textes publiés sur les sites désignés pour pour ce type de textes et de documents. Ces textes donc ne sont visibles qu'après la soumission et l'effectuation de la déclaration. Pour ce qui est d'autres textes et documents pour les groupes de contact et toute autre séance qui ont été conduits qu'en anglais, chaque fois que ceci est permis par le coprésident de ces groupes particuliers, eh bien, ces textes pourraient aussi être soumis à travers le courriel à l'attention de secrétariat CBD.int. Par la suite, ces textes seront aussi transmis au personnel compétent pour action. Ce serait bien que d'indiquer clairement quel est le sujet et quel est le groupe de contact est impliqué. Merci, Monsieur le Président. Merci, le secrétariat. Chers délégués, nous allons maintenant nous pencher sur le premier point pour aujourd'hui. Et pour ce faire, je donne la parole à mon co-président. Merci Francis et bon après-midi à tous et toutes. Quel plaisir que d'être ici de retour avec vous. Chers collègues, nous vous invitons de vous pencher sur le point numéro 4 de cet cadre post 2020 et je donne la parole au co-président de chacun de ces groupes de contact pour un rapport sur leur travail. Nous nous permettrons de commencer en vous demandant au groupe 1 de bien vouloir donner ce rapport qui se pencha sur les objectifs du cadre post 2020 de biodiversité. Ces groupes étaient présidés par Monsieur Belchot de Suisse et des Indes. J'invite maintenant Monsieur Vidar Mathieu, les Indes. Vous avez la parole. Thank you, Mr. Co. Merci, Monsieur le Co-président. Bon après-midi, chers délégués. À mon co-président, moi-même, nous tenons à remercier toutes les délégations et pour avoir participé aussi cordialement au groupe du contact numéro 1 pour leur travail diligent, leur engagement et leur niveau de compromise. Pendant cette semaine, on a eu 3 réunions et je suis en mesure de vous communiquer que les négociations, surtout les objectifs, ont été complétés grâce et au temps supplémentaire qui nous a été permis, ce qui était pas seulement 6 heures de discussion, mais 10,5 heures d'échanges très intenses, dois-je dire. Les délégations ont démontré la bonne volonté de réduire le nombre de textes. Et maintenant, nous avons un texte en main et qui inclut tous les éléments de relevance et qui donne une base très solide pour notre travail en avant d'ici COP15. Nous avons donc fait du progrès et ceci par rapport aux éléments des objectifs intermédiaires tels que confortés par ce groupe de contact. Des points qui seront aussi traités en concertation avec d'autres groupes de contact. Ceci dit, il y a encore quelques points à entrecrocher, peut-être à cause des implications au niveau des négociations sur d'autres éléments de GPF, comme par exemple les aspects numériques, la description des écosystèmes, le scope de OBS, les références à l'article 20, les valeurs numériques pour ce qui est des moyens de mise en œuvre, l'élimination ou la définition des moyens de mise en œuvre qui doivent être assurés soit au niveau des objectifs ou alors ailleurs. Et en tout dernier lieu, quelles sont les limites du planète pour un développement durable? Nous avons constaté le besoin d'équilibrer les objectifs par beaucoup ambitieux afin de produire un texte communicable et facile à gérer pour tous les aspects. Je tiens à remercier mon collègue de Suisse et le secrétariat pour leur assistance. Une fois de plus, merci à tous les participants d'avoir participé et contribué à ces progrès du groupe Contact numéro 1. Nous sommes confiants
que on a maintenant en main la bonne base pour travailler en avant et que à Montréal le travail sera accompli avec succès. Merci, Monsieur le coprésident, pour cette opportunité. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. We would like. Ceci dit, nous allons demander au groupe numéro 2 de bien vouloir nous donner son rapport. C'était sur l'objectif de la réduction des aléas par rapport à la biodiversité, présidé par Diona Kachava de la Géorgie et Madame Rosemary Parson de la Nouvelle-Zélande. Je donne donc la parole à Madame Diona Kachava pour son rapport. La parole à la Géorgie, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le coprésident. Je voudrais aussi remercier tous les participants de notre groupe pour leur participation très active. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu 2 sessions, une mardi matin, une deuxième hier dans la soirée. Les premiers échanges ont eu lieu par rapport aux propositions pour les objectifs 7 et 8 qui étaient rapportés depuis la réunion de Genève. Pour ce qui est du point numéro 7, c'est discuté lors de la première session. Objectif numéro 8 a été discuté lors de notre session d'hier. Pendant ces 2 sessions, on a su identifier des éléments supplémentaires. Les participants ont voulu que ça soit aussi inclus dans le texte. Et en ce faisant, on a reçu finalement des textes par rapport à ces objectifs qui étaient assez équilibrés et très rationalisés et qui incluent des éléments sur lesquels on pourrait encore réfléchir. On a encore besoin de plus d'échanges sur ces 2 objectifs, surtout pour ce qui est des négociations sur base de textes pour l'avenir, pour les sessions de l'avenir. En même temps, hier, lors des séances de hier soir, on a entamé les discussions sur objectifs 1 à 8. Néanmoins, on a pu, en fin de compte, commencer des discussions sur l'objectif numéro 1. Et sur ce point, puis-je encore mentionner qu'hier matin, on a eu notre groupe de contact avec les amis pour discuter de la terminologie et autres questions propres aux descriptions de domaine pour les objectifs 1 à 3. Mais les amis et des collègues sont sur le point d'atteindre un consensus. Lors des réunions, de la réunion de notre groupe hier soir, pendant les échanges sur l'objectif numéro 1, on a pu aussi former un groupuscule sur base des propositions initiales et cette petite groupe a produit un texte rationalisé sur l'objectif numéro 1 lequel nous nous proposons soumettre à l'attention des participants lors du début de la session prochaine. Ce sera donc un texte alternatif qu'on va soumettre à l'approbation du groupe de contact lors de cette prochaine réunion. Ceci dit, on se propose aussi d'aller en avant avec objectifs 2 et 6. En fait, on a encore projeté 2 sessions, une pour demain après-midi et puis une pour demain soir. Nous espérons pouvoir aussi couvrir ces 2 objectifs. Nous espérons qu'il y aura encore un texte rationalisé avec moins de crochets. Puis-je encore mentionner que notre groupe bénéficia de conseils mis à jour scientifiques qui étaient très utiles pour notre groupe. Et sur ce point, je tiens aussi à remercier les scientifiques pour avoir contribué à la rédaction de ces documents. Merci. Thank you, Georgia. We would like to now move. Merci, la Géorgie. Passons maintenant au groupe de contact numéro 3. Comme vous le savez, c'était sur objectif 9 à 13, présidé par Madame Julia Guthrie de la Jamaïque et Madame Gabrielle Obermeier de l'Autriche. Donc, je appelle
Madame Guthrie de vouloir prendre la parole. Thank you, Mr. Chair, and distinguished delegates, ladies and gentlemen. First of all, merci, Monsieur le Président, co-président. Nous souhaitons remercier tous les participants qui ont participé dans ces discussions. On a eu des discussions très fructueuses. Et aussi, je souhaite remercier mon collègue pour ce travail. Nous avons eu deux réunions, le 24 et le 25 juin. Nous avons commencé avec l'objectif 13 et 9 et 10. Sur l'objectif 13, les délégués étaient invités à regarder le texte qui a été discuté. Donc, nous avons les propositions 13 bis alt et 13 bis ter. En conséquence, il a été convenu de supprimer le 13 bis et les modifications textuelles ont été apportées au 13 bis alt. Certains partis ont indiqué qu'ils souhaiteraient voir plus d'un objectif traitant de l'accès et de partage des avantages. La discussion est passée à l'examen du texte composite de la cible 13. Bien que des bons progrès été réalisé, plusieurs zones de divergence sont restées et dans un effort pour ne pas perdre l'élan, les co-responsables ont établi un groupe informel et les facilitateurs du groupe informel étaient Betty Schroeder de Namibie et Salima Kampenaert de Belgique. Et les 30 dernières minutes de la première session étaient consacrées à l'objectif 9. Les amis de co-responsables sont réunis le 24 juin. L'objectif était de réduire autant que possible les options, les parenthèses. Et nous avons un petit groupe qui était composé de l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Union européenne, le Japon, le Malawi, la Namibie, la Norvège, la République de Corée. Et ce groupe s'est réuni encore une fois le 23 juin. Et nous avons travaillé sur l'objectif 13 terres. La deuxième réunion de groupe a eu lieu ce matin et on a poursuivi la délibération sur les cibles 9, 10, 11, 12 et 13. Au cours du groupe de contact, les parties ont convenu de continuer à travailler sur le texte alternatif proposé par les co-responsables sur la cible 9. Au cours de la discussion, certains sujets ont été, crochets ont été levés. Et nous avons aussi ajouté de textes supplémentaires et on a mis du texte dans des crochets. En ce qui concerne l'objectif 10, les parties ont accepté le texte issu des travaux d'un petit groupe à Genève. Mais quand on parle des sujets comme l'agroécologie, on a eu des textes qui étaient plus longs. Et on a utilisé des documents qui ont été utilisés auparavant. Je souhaite m'arrêter ici pour demander aux délégués que quand nous allons nous réunir pour discuter les autres objectifs qui vont poser un plus grand défi, peut-être d'avoir des discussions auparavant pour pouvoir discuter les points qui ne pourront pas être résolus pendant notre réunion. Pour l'objectif 12, ça va rentrer dans le point numéro 2 de la COP 15. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Nous prenons note de vos commentaires sur une coordination ou discussion possible entre les parties. Merci. Nous souhaitons demander maintenant le rapport du groupe 4 qui se focalise sur les objectifs 14 à 21. Et nous avons Madame Anne Teller de l'Union européenne et Monsieur Jorge Murillo de la Colombie. Je crois que c'est Madame Teller qui va nous faire le rapport. Et je vois, oui, c'est ça en fait. Est-ce que nous pouvons passer la parole à Madame Teller? Merci. Merci Monsieur le Président. Le groupe de contact 4 s'est réuni le
23 juin l'après-midi. La troisième réunion aura lieu ce soir. Le groupe contact 4 a été mandaté de regarder les objectifs 14 à 21 et 22 bis. Le groupe a eu l'opportunité d'avoir un premier tour de discussion sur l'objectif, sur les cibles 14, 15, 16, 17, 18 et 19.1. Mais à cause des restrictions des temps, on n'a pas pu discuter les cibles 20-21 et les nouvelles cibles. En vue de ça, la première réunion de groupe de contact 4 ici à Nairobi a commencé avec les discussions sur les cibles 21 et les nouvelles cibles. Nous avons commencé avec la cible numéro 20. Et nous avons eu une discussion après sur la cible 21 et la nouvelle cible 22. Pour les cibles 21 et 22, nous avons eu une discussion unique. Il y a quelques parties qui ont montré la préférence d'avoir deux cibles séparées. La cible 21 se concentre sur les peuples autochtones et les communautés locales, 22 sur les femmes et les jeunes filles. Nous avons aussi une discussion sur 14 bis. Et 14 bis va être retiré suite à une vérification que les concepts pertinents sont couverts ailleurs. À part cela, une délégation a proposé une cible sur la santé. Nous avons fait signe à la coprésidence pour avoir point d'information là-dessus. La discussion hier s'est focalisée sur la cible 18-19. Et on est très heureux de vous dire que nous avons pu nettoyer le texte entre crochets et c'est vraiment une bonne réussite, la première réussite ici à Nairobi. Sur les incitations positives, le groupe a décidé de travailler sur la base de Alt 1 et on a réussi à nettoyer des crochets. Pour l'objectif 19.1, sur les questions de biodiversité, un nouveau texte alternatif a été proposé par une délégation au nom de plusieurs parties des pays en développement. On a eu aussi un établissement d'un groupe qui est mandaté à avoir ces discussions ce soir sur la cible 19.1 qui pourra être soumis à la COP 15. Ce groupe a déjà eu une première réunion à midi aujourd'hui pour commencer déjà des discussions et ce soir, il y aura encore de progrès. Ce soir, on aura un deuxième tour de discussion sur les cibles 14 à 17 qu'on a discuté pour la première fois à Genève. Pendant la session, le groupe de contact a pris note des points qu'il faut inclure dans le glossaire. Merci, Monsieur le Co-président. Merci beaucoup, l'Union européenne. Maintenant, nous allons vers le groupe de contact 6. Qui se focalise sur les sections A à E et H à K, y compris BBIS. Nous avons Madame Mérimée de Seychelles et notre collègue du Canada. Est-ce que nous pouvons donner la parole aux Seychelles, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président, chers délégués, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous présenter, en nom de ma collègue du Canada, un rapport de progrès sur les procédés du groupe de contact 6. Nous nous sommes rencontrés 4 fois entre le 21 et le 23 juin pour considérer les sections A à 2 et H à K,
y compris babies. Pendant les premières deux sessions, le mardi, le groupe a discuté les sections H, J et K. Il y a une convergence possible sur des sections, mais il y a quelques éléments sous la section J qui avaient besoin d'une considération ultérieure. Un groupe des amis des co-responsables a été établi et ça a été facilité par une collègue des Maldives et de l'Australie et il y a eu la première réunion le mercredi. Le groupe a progressé sur la section J avec le document partagé par le bureau, mais ils n'ont pas pu regarder le document entier. Le groupe va se rencontrer aujourd'hui pour terminer la revue. La section bis a été discutée avec les étapes importantes et le groupe a commencé à adresser des questions de nature générale et de regarder des paragraphes particuliers. Pendant la troisième réunion, le groupe a complété les discussions des quatre points et les paragraphes qui restaient. Pendant la quatrième session, le jeudi, on a eu des interventions des parties et des observateurs sur les sections A à E. En général, il y avait une convergence sur l'utilisation de ces sections. Sur la section D, les parties pensaient qu'une représentation graphique révisée était serait utile et de garder le texte dans cette section minimale. Sur la section E, vision et mission, le groupe de contact a négocié le texte de groupe de travail 3. La discussion a résulté dans 5 versions qui seront incluses dans le document non formel. Le document informel va prendre en considération les points de vue des parties sur les sections A à E et H à K, y compris une réorganisation de quelques sections pour éliminer la répétition. Le document va guider la discussion pendant notre dernière réunion qui aura lieu samedi à 10h. Au nom de mes collègues, je souhaite remercier les délégués pour leur contribution très active pendant les sessions de cette semaine. Merci. Merci aux Seychelles et merci à tous les collègues pour tout votre travail. Chers collègues, merci pour votre tour très important. Vous nous avez donné un aperçu vraiment important du progrès que vous avez pu avoir. Maintenant, avec mon co-président, nous souhaitons présenter nos réflexions sur le statut général de cette réunion et les étapes encore à prendre selon les informations que nous avons reçues des collègues. Pour nous préparer, nous avons consulté avec des collègues et des facilitateurs. Nous avons revu le texte et nous avons essayé de voir la concision, la cohérence, la redondance, la facilité de communication. Allons maintenant élément par élément en vous livrant nos réflexions. Nous avons préparé ça hier soir et il y a eu aussi d'autres réunions aujourd'hui et on a eu du progrès qui a été fait, mais ce progrès n'est pas présenté dans le document que nous avons sur l'écran. Alors, nous avons commencé par... Alors, on va recommencer, s'il vous plaît, allez, voilà, sur la première diapositive. Alors, nous avons les différentes sections et nous avons commencé à travailler section par section, objectif par objectif. La première colonne sur la gauche, ça nous donne les informations sur l'état à partir de hier soir. Donc, voilà, la colonne au milieu nous donne des informations sur ce que nous envisageons de pouvoir réussir jusqu'à la fin de cette semaine. Et
La dernière colonne nous montre ce que nous devons encore, le travail que nous avons encore à faire. Le jaune-orange, ça veut dire qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais pas d'inquiétude là-dessus. Mais puis, s'il y a la couleur rouge, cela veut dire qu'il y a pas mal de travail encore, qui doit être encore fait. Alors, nous avons regardé le tableau, section A et B. Vous voyez qu'il y a une discussion en cours et la plupart des parenthèses ont été enlevées. Il y a encore un peu de travail qui doit être fait. Section B bis, les orientations pour la mise en œuvre. Il y a eu une discussion assez importante et intense. Et les parties doivent décider s'ils souhaitent garder cette section ou pas. Il y a eu une discussion très importante sur ça. Section C. C'est à peu près la même chose comme la section A et B. Ça veut dire que il y a une discussion assez avancée. On peut terminer très rapidement. Section D sur la théorie de changement. Il y a eu des discussions toujours en cours. Il y a une proposition et le groupe de contact doit réviser ça. Donc, et nous avons hâte d'avoir une discussion. En fait, suite aux discussions, suite à la révision. La section E, la mission. En ce moment, il y a 5 alternatives qui doivent être considérées. À part la notion des 5 alternatives, il y a aussi 2 alternatives qui seront gardées après la discussion et seront adressées. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les objectifs. Nous avons entendu le rapport du groupe de contact 1, donc une discussion intense et il y a encore des parenthèses qui restent. Il y a encore une discussion sur ce qu'il faut inclure des éléments numériques, l'inclusion de l'élément des étapes importantes, des descriptions des écosystèmes et il y a aussi plusieurs options de texte. Objectif B, nous avons aussi entendu le rapport. Il y a eu des discussions avec Francis et c'était bien d'entendre le rapport aujourd'hui. Objectif C, D, une discussion extensive et plusieurs parenthèses qui restent. Il faut compléter les négociations et pour l'objectif C, il y a la question liée à l'étendue et aussi aux informations des séquences numériques. Pour l'objectif D, nous avons les aspects numériques, la référence à l'article 20, comme vous le savez, et aussi la définition de la mise en œuvre. Peut-être le glossaire sera utile pour résoudre ça. Pour les donc objectifs 1 et 2 et 3, ben en fait jusqu'à 4, il y avait beaucoup de travail à mener et nous voyons un besoin pour continuer une partie du travail. Nous voyons en haut que la résolution des éléments numériques aura lieu probablement à la COP. Cela veut dire que on pourra résoudre le concept et si vous n'y arrivez pas, ce sera idéal de discuter ça à la COP. Donc il y a une question sur la description des zones et des écosystèmes et d'enlever encore des parenthèses. Prochaine diapositive. Les prochains groupes d'objectifs, il y a plusieurs discussions qui ont eu lieu, que nous ne sont pas reflétées dans la présentation, mais qu'on a entendu des rapports des groupes de contact. C'est la même situation où nous avons encore beaucoup de parenthèses. Et si
on veut avoir une COP focalisée, nous devons enlever ces parenthèses. Numéro 7, la pollution. Encore, il y a une note sur les éléments numériques et aussi pas mal de discussions sur le type de pollution qu'il faut inclure dans cet objectif. Sur l'objectif 8, il y a encore une discussion sur s'il faut avoir l'élément numérique ou pas, et aussi une discussion importante sur la terminologie, les solutions basées sur la nature et les approches basées sur l'écosystème. Prochaine diapositive. Alors, nous voyons que pour les objectifs 9, 10 et 11, il y a eu pas mal de progrès et aussi sur l'objectif 12, on a eu des informations qu'il y a eu du progrès important. Donc l'objectif 9, il y a toujours une question sur des questions qu'il fallait adresser. Objectif 10, d'adresser tous les domaines, incluant une référence au secteur productif, etc. Puis, nous avons 11 et 12, pas mal d'avancements. Et l'objectif 13, il y a eu aussi une amélioration, mais encore beaucoup de travail qui doit être terminé, surtout le placement de l'information de séquençage numérique et aussi des alternatives qu'il faut résoudre. Donc, voilà la situation qu'il faut donc regarder les alternatives et aussi les questions qui restent. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Si nous regardons les objectifs 14, 15, 16, 17, c'est à peu près la même situation que quand on était à Genève. Il y a du progrès qu'il faut faire et il y a encore l'opportunité à le faire. Et bien sûr, ça dépend sur vous si on arrive à enlever des parenthèses ou pas. Objectif 18, encore du travail qui a été fait, du progrès aussi en ce qui concerne le nettoyage, mais il y a encore des parenthèses sur lesquelles il faut travailler. Les éléments numériques aussi seront discutés pendant la COP. Prochaine diapositive, objectif 19. Ici, nous avons l'objectif 19 qui est divisé en deux parties. 19.1, ressources financières, où il y a plusieurs alternatives possibles. Et ça va être un défi pour adresser dans la période que nous avons, qui nous reste. Et puis, de l'autre côté, sur le 19.2, il y a eu un bon progrès. Et nous avons, c'est bien de voir un texte nettoyé et propre. Objectif 20-21. Donc, 21, nous avons la participation des peuples autochtones et communautés locales et femmes et jeunes. Nous pouvons réduire. Nous avons réduit des parenthèses, mais on envisage pas d'avoir d'autres discussions. Sur le genre, donc objectif 22, c'est à vous de décider si vous souhaitez un objectif séparé ou pas. Et nous savons qu'il y a une proposition d'un nouveau objectif sur la santé et il faut avoir la discussion si vous souhaitez l'avoir comme objectif séparé ou pas, ou si ce que nous avons devant nous adresse la question. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, nous arrivons vers la fin des sections. Donc, nous avons la section H, la mise en œuvre des mécanismes de soutien. Vous voyez que nous sommes prêts à terminer ça. Sur les conditions, il y a une discussion. Et bien sûr, ça dépend sur le progrès que nous arrivons à avoir sur la BIS.
Donc, la question sont sur s'il faut garder la question ou pas. Section J, les responsabilités de transparence. On a eu des progrès, mais ce n'est pas encore dans le vert pour le moment. Nous espérons pouvoir changer ça. Je suis sûre qu'il y aura des aspects qui seront encore discutés. Et puis, sur la section K, sur le rayonnement, nous sommes sur la bonne voie. Donc voilà, c'est ma partie de la présentation. Je passe la parole à Francis. Prochaine diapositive. Merci, cher co-président. Donc voilà, une synthèse que le co-président vient de présenter, les objectifs, les cibles du cadre. Vous pouvez voir clairement qu'il y a 14 éléments qui sont en rouge, qu'il faut gérer. Et puis, il y a 21 en jaune, 2 ils sont en vert, donc seulement sur 2, on a fait du progrès, et 1 qui est toujours en attente. Donc, nous devons maintenant faire du progrès de cette partie rouge vers le jaune, ou si possible, directement vers le vert. Et puis, du jaune vers le vert dans les 2 jours à venir, comme on vous a dit. Donc, il y a beaucoup de choses encore à faire, et nous vous remercions pour tous vos efforts jusqu'à maintenant. Et merci pour le travail sur les 2 points terminés, les 21 en jaune. Et maintenant, sur des points jaunes, vous pouvez faire des progrès rapidement. Mais voilà, il faut regarder comment vous pouvez déplacer les 14 rouges vers le jaune ou le vert. Parce que nous avons besoin d'un texte qui peut être soumis à la COP pour faciliter la discussion une fois à la COP. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne les conclusions générales, vous avez travaillé sans cesse et vous avez eu beaucoup de discussions et toutes ces discussions font partie du travail très important. Vous avez vu les discussions qui sont continuées jusqu'à tard le soir. Et nous avons les propositions pour augmenter le nombre d'objectifs de 21 à potentiellement 25, mais il faut garder en tête qu'il fallait réduire le nombre d'objectifs. Donc, merci de réduire ce nombre. Pour le moment, c'est bien de regarder toutes les propositions, si c'est 19, 20, 22, mais à la fin, compte, par exemple, la proposition sur la santé, peut-être il faut regarder si vous pouvez l'inclure dans un autre objectif pour pas avoir un grand nombre. L'analyse montre que au rythme actuel, ce sera pas possible d'avoir un texte approprié prêt pour la COP 15. Vous avez vu le côté rouge. Voilà, donc il y a plusieurs questions qui devraient être résolues lors de cette réunion. Et puis, la révision de l'ensemble du texte du GBF pour en assurer l'homogénéité et la cohérence et la facilité de communication qui reste à faire. Prochaine diapositive. Et donc, ce que nous avons ici, ça nous montre que nous devons travailler beaucoup. Bien sûr, nous avons ces petits groupes informels de négociation qui ont lieu. Et nous avons aussi les petits groupes informels pour impliquer d'autres parties. Parce que nous avons vu que même si on a eu beaucoup de discussions, on a créé encore d'autres petits groupes. Et si c'est la bonne solution pour nous donner les résultats, on donne bienvenue à cette création. Des fois, c'est plus facile de se mettre d'accord dans un petit groupe. Donc, si ces petits groupes marchent et ça donne les résultats qu'on souhaite. Alors, pour ce qui est des documents qui vont être discutés lors de ces groupes de contact, on va voir comment on va vers cela lors de la plénière. C'est pour ça qu'on est ici. Je pense vous avoir déjà dit quant à l'examen, on va s'y pencher pour identifier les options sur comment nous pourrions y aller. Diapo suivante.
Oui, alors, on pourrait s'arrêter ici. Monsieur le Président, vous seriez quand même continué. Merci beaucoup, Francis. Comme vous pouvez le constater vous-même, chers collègues, ça reste encore beaucoup de pain sur la planche. Sur la ligne de ce que Francis vient de dire, je l'insiste moi-même, il faut travailler, voir comment on peut aller en avant. Ce matin, vous avez montré que vous pouvez quand même vous montrer au niveau des exigences. Vous avez aussi démontré qu'on peut vraiment faire le meilleur usage possible des formations diverses qu'on s'est proposées. On est prêt à mettre le point sur les domaines qui ont été déjà isolés. Et je vous demande de continuer dans ce même esprit de compromis et de coopération. On avait voulu avoir du temps pour un examen à fond. Bien sûr, les groupes de contact ont besoin le plus de temps possible pour y travailler. On va donc maintenant organiser tous ces documents dans un document unique pour auto-réflexion. Et ceci va être par ailleurs soumis à la plénière en tant que COP. Nous savons que nous pourrons toujours le faire en temps utile. Je m'arrête brièvement pour voir qui demande la parole. Déjà, le Nouvelle-Zélande a voulu intervenir et la parole, c'est à vous, madame. Merci beaucoup, monsieur le coprésident. Il y a une déclaration au nom du groupe Just Cans. Dès par les présentations des coprésidents, il est clair qu'il y a des pains sur la planche et que le temps est très limité pour ce faire. Ceci nous appelle à prendre des décisions difficiles par rapport à la hiérarchisation de notre temps d'ici COP15. Bien trop souvent, on arrive à COP et nous découvrons que le temps n'était pas suffisant. Nous sommes de l'avis que le bureau doit déjà se projeter de manière réaliste et appropriée afin de faire l'écho des points qui vont être mis sur l'agenda du COP. Tout le travail de OWG, SAPSTA, ASPI est important. Nous avons donc besoin de considérer comment, d'ici COP, nous allons travailler, avoir un projet clair par rapport à tout cela, travailler ensemble sur la base des mêmes expectatives partagées sur comment faire le mieux possible du temps qu'on a imparti d'ici à Montréal. J'espère que dans le rapport, il y aura référence à l'engagement du bureau par rapport à ces projets et je vous remercie de votre attention. C'est nous, le Nouvelle-Zélande. Chers délégués, je vois encore des parties qui demandent la parole. Merci, co-chair. Madame la co-présidente, madame la secrétaire exécutive, cher co-chair, au-delà des éloges qu'on peut et qu'on se doit d'adresser à l'égard des différents délégués pour leur complète implication et leur abnégation débordante. Il n'en demeure pas moins que dans les coulisses de cette réunion, je dois vous avouer qu'il ressort une certaine inquiétude qui vient se greffer à l'optimisme qui a régné à l'annonce de l'organisation de cette rencontre il y a quelques semaines. Ainsi, et malgré les préalables des co-leads des groupes de contact, priant les parties à ne point ajouter de nouveaux éléments au texte de base, mais d'essayer plutôt de les toiletter en enlevant le maximum possible de crochets. Malheureusement, certains textes ont, monsieur le co-chair, ont doublé, voire triplé de volume. Réellement, on a l'impression, parfois, heureusement, de marcher à reculons, de délocaliser le travail de Nairobi vers Montréal lors de la COP 15. Messieurs les co-chairs, et
pour ne point verser dans un pessimisme plutôt gratuit, je ne peux que me joindre aux propos optimistes tenus par le co-chair tout à fait au début, M. Francis, en espérant que durant les 2 jours qui restent, on s'imprégnera beaucoup plus, vous l'avez souligné, Monsieur le co-chair, on s'imprégnera beaucoup plus d'un esprit de compromis afin d'alléger le travail des parties lors de la prochaine COP. Je dois vous dire que je n'aime pas beaucoup la langue de bois et il faudrait affronter certaines vérités. Vous l'avez dit en filigrane avec un style beaucoup plus diplomatique. Donc, moi, je l'ai dit dans un style moins diplomatique et je m'excuse auprès de tous mes collègues ici présents. Merci, Monsieur le co-chair. Merci, le Maroc. C'est un plaisir de vous entendre. I'd like now the floor to be given to Namibia. La parole à la Namibie, s'il vous plaît. Et la parole et le micro est à la Namibie. Merci beaucoup, Monsieur le co-président. La Namibie est très inquiète par rapport au pas que nous suivons lors de nos réunions. Nous pensons qu'il serait peut-être utile que de s'engager dans un exercice d'édition, de peaufinage, afin de ajuster ces morceaux de texte entre crochets. Pour ce qui me concerne, ma compréhension de la procédure est telle que le contexte national soit aussi conforté d'une certaine perspective. Donc, la mise en œuvre de ces du BNS serait important. C'est quand même aurait pu nous aider à travailler sur un texte assez peaufiner, bien traiter, réduire tout ce qui peut être réduit pour arriver à un texte assez compréhensif, inclusif, pour qu'on arrive à Montréal avec un outil important et tangible. Ceci va nous aider d'aller en avant avec un texte beaucoup plus succinct et plus facile à comprendre. On peut toujours s'arranger à ce que les textes entre crochets puissent être éliminés. Et lorsque les délégués rentrent à leur pays respectif pour consultation avant COP 15, quand même, avec une liste des textes entre crochets ont été inclus, avoir une liste séparée et ces personnes pourront expliquer à leur chef pourquoi ceci a été fait. Ceci nous aiderait à aller en avant avec une négociation beaucoup plus efficace d'ici demain, par exemple. Merci, Monsieur le Président. Merci, la Namibie. Merci pour cette recommandation très utile, dirais-je. Chers délégués, avant que de ne passer en avant sur le point suivant, je me permettrai de donner la parole au représentant de COP 15, la présidence, Madame Miss Gourmand. Vous avez la parole, Madame. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le co-président, chers collègues, distinguished delegates, chers délégués, ayant suivi les interventions de nos co-présidents, sur l'état de progrès obtenu. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre travail très diligent pendant ces derniers jours ici sur le lieu de la belle ville de Nairobi. Au fait, on a eu du progrès. On a su quand même arriver à une rédaction assez claire d'un texte qui fait l'écho des objectifs. C'est un bon début. Peut-être même pourrions-nous maintenant considérer un texte encore plus peaufiné, mieux géré. Ceci nous donne la tendance et l'intérêt d'aller en avant sur des aspects qui nous sont intéressants. Nous avons besoin de plus en plus de textes peaufinés. Les efforts jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été assez forts sur ce point, mais c'est normal parce que nos expectatives sont très élevées. Et d'ici notre réunion de Montréal, c'est très clair,
Mais ça nous reste encore deux jours d'ici la fin de nos travaux ici. Jusqu'à la fin de nos travaux, il nous faut avoir atteint un texte communicable, succinct, clair et facile à comprendre, qui sera transmis aux parties avant que d'aller à l'avant. Avant que de ne quitter Nairobi, on aura besoin d'un texte qui va aider les négociateurs à s'y retrouver sur le point de négociation d'ici notre prochaine discussion sur le cadre de biodiversité. Nous avons donc besoin d'un texte qui va rendre très clair au ministre quelles sont les questions en suspens très critiques qui doivent être résolues. Ceci va le permettre par la suite d'atteindre un accord final. On ne saurait jamais conclure tous les problèmes ici à Nairobi, oui, mais du moins, essayons de simplifier le texte le plus possible. Ceci n'est pas le moment pour ajouter des nouveaux mots ou des variations sur des textes ou d'autres questions. C'est le moment venu de travailler de manière succincte et de limiter le texte sur les points essentiels qui font l'écho des points clés. Et pour ce qui est de ces textes entre crochets, ne les laissez que si c'est absolument nécessaire. Chaque mot compte, chers collègues, ça je le sais et je vous le concède. Mais du moins, faisons ce que nous pouvons de manière collégiale pour les deux jours qui nous restent d'ici la fin de notre travail ici à Nairobi. La présidence du COP répète son engagement vers le soutien de ces processus très critiques d'ici le mois de décembre de l'année en cours, où on va quand même écrire l'histoire sur la question du cadre après 2020. Je vous remercie de votre attention. Thank you. Merci beaucoup. Passons maintenant au point suivant de notre agenda. Francis, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le co-président, chers délégués. Passons maintenant au point numéro 5 de l'agenda sur l'information d'ESA et les ressources génétiques. Je vais demander à ce que nos collègues du groupe de contact numéro 5 de faire le rapport. Madame Laetitia de l'Afrique du Sud et Gauthe du Norvège. Je comprends que ce sera Laetitia qui va prendre la parole pour faire son rapport. Donc, la parole à l'Afrique du Sud, s'il vous plaît. Thank you, Mr. Merci beaucoup, monsieur le co-président, et une sincère salutation à tous et toutes. Le groupe de contact a eu comme mission poursuivre le travail sur le texte du projet de décision sur COP15 tel que contenu sous annexe 2, recommandation 3.2 du groupe de travail et s'est réuni jeudi le 22 juin de 7h30 jusqu'à 9h45 du soir. On a commencé avec un tour de table, commentaires, expressions de vues et la lumière à l'aune de travaux du groupe de contact avec en particulier l'emphase sur le contenu du paragraphe 10 et 11 du document CBD/WG2020/4/3. On a par la suite invité les participants au deuxième tour de table avec des commentaires et vues sur le projet de décision pour COP15 tel que contenu en annexe des recommandations 3.2 du groupe de travail. On a eu l'expression de plusieurs vues qui indiquent que le travail et le conseil des coprésidents et du groupe de consultation ont été bien reçus et ont été considérés comme utiles pour le travail du groupe de contact. Qui plus est, on a entendu que plusieurs participants ont formulé la suggestion de travailler davantage sur le projet de texte de la décision COP. Sur base de commentaires échangés lors de deux tours de table,
on a fait le constat et désigné un ami de président de commencer les négociations sur cette décision. C'est un groupe qui est modéré par Madame Palzo Kalemba de Malawi, Mr. William Lockhart du Royaume-Uni. Et il y a eu donc une réunion de ce petit groupe suite à la fin de travaux de notre groupe de contact. Les amis du collège et de coprésident se sont réunis de 7h à minuit. Après un échange initial quant aux façons à aller en avant, le groupe d'amis a commencé à rédiger la décision en commençant avec le premier préambule. Jusqu'à minuit, le groupe avait finalisé ses considérations sur tous les aspects du préambule. Le texte ainsi obtenu a été considéré comme simplifié et inclut trois paragraphes très clairs et compréhensibles des six qu'on avait au début. Ceci a été très bien reçu dans un esprit de coopération parmi les amis qui ainsi a donné suite à notre enthousiasme commencé à Genève. Les amis se sont mis d'accord sur le fait qu'il serait utile de rendre plus succincte les paragraphes faisant l'écho des mêmes idées et aussi éliminer toutes sortes de répétitions et chevauchements dans le texte afin de produire un texte plus compréhensible tout en identifiant les domaines où il pourrait y avoir conflit. Les amis se sont mis d'accord sur le fait que ceci paverait le chemin vers un accord négocié à Montréal. Les amis aussi ont exprimé le besoin d'avoir plus de temps pour compléter le travail et vont se réunir aujourd'hui à 7h du soir. Le groupe de contact par la suite va encore se réunir une fois de plus cette semaine, ce sera demain, samedi, dans l'après-midi, afin de considérer et de réfléchir sur les résultats de ce travail du groupe d'amis. Je conclue donc avec des remerciements à mes collègues, M. Gaudet de Alzaga, le co-modérateur des amis, Palzo Kalemba, et M. William Lockhart, pour leur travail excellent quant à la gestion de toute cette activité. Les amis des collègues sont à remercier pour leur esprit de coopération sur ces points. Et un tout dernier mot, nous tenons à remercier le secrétariat et leur personnel pour l'engagement continu qui a été manifesté lors de leur coopération avec nous. Merci Laetitia et un grand merci à vos collègues pour votre travail et diligence. Mesdames et messieurs, chers délégués, mon coprésident et moi-même, nous voulons maintenant vous présenter une série de diapositives sur l'état de progrès atteint lors de l'EPF. Une fois de plus, vous pouvez faire le constat vous-même qu'il y a progrès quant aux discussions, tout comme on le savait, on l'a su par nos collègues. Vous avez déjà un texte beaucoup plus fin, beaucoup plus clair. Voilà quels sont les paragraphes. Pour ce qui est du progrès et où nous sommes en ce moment, je peux vous dire que il y a maintenant sur la table un texte assez clair, mais il y a encore quelques paragraphes par rapport auxquels il faut travailler. Vous le voyez? Il y a même des différences de couleurs. Là où il y a un texte négocié et peaufiné, il y a des zones jaunes peut-être pour ceux qui ont encore du travail à faire. Et puis des zones rouges aussi où là vraiment il y a des questions en suspens. On va voir quelles sont les options de police. And I think that is it. Voilà tout. On peut maintenant passer en avant. Ceci complète la séquence de diapositives qu'on avait préparée. Et je commence avec la présentation. Chers délégués, faute de demande de prise de parole, ce que je ne vois pas, je donne la parole à mon coprésident pour qu'il nous amène au point suivant sur l'agenda. Merci Francis. Chers délégués, passons maintenant au point numéro 4 de l'ordre du jour. Nous allons voir la première lecture du projet de texte de décision révisé pour la décision de COP.
Lors de cette réunion, on avait décidé de rapporter la discussion. On a décidé de le faire en tant que partie des recommandations par rapport au COP 15. Je donne donc la parole au secrétariat de nous rapporter sur ce document. Madame la secrétaire ou monsieur le secrétaire, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le co-président, pour cette partie du point de l'agenda. La réunion en main CBD/WG2020/3/3/AD.3. Ce qui nous donne des éléments en projet de la décision qui opérationnalise le cadre post-2020 pour la biodiversité, un document qui a déjà été disponibilisé lors de la troisième réunion de notre groupe de travail, un document qui a été par la suite revu à la lumière des commentaires qui ont été formulés lors de la session virtuelle en août 2021. Ceci dit, il n'a pas été encore peaufiné lors des travaux de Genève, faute de temps. Par conséquent, le document n'a pas été changé de ce qui a été soumis au groupe de travail lors de sa dernière réunion. Merci, monsieur le co-président. Thank you. Merci, le secrétariat. Puisqu'il s'agit d'un texte en ajout qui est nouveau, ce serait utile que, de votre côté, vous dédiez de la réflexion. On ouvre la parole sur le point numéro 4. On commence avec les groupes régionaux, suivis par les partis, autres gouvernements et observateurs. Et je vous encourage d'être très, très concis par rapport à votre intervention. On passe donc à l'intervention de la part des groupes régionaux. La parole donc est aux groupes régionaux. Je vois déjà l'Union européenne qui a demandé la parole et vous l'aurez. Je prie les techniciens de bien vouloir donner la parole à l'Union européenne. Merci, monsieur le président. L'Union européenne et les pays membres vous remercient de cette décision en projet qui serait intéressant afin de donner de l'orientation en partie par rapport à la mise en œuvre du GPF. Nous reconnaissons que cette décision va être un point critique de discussion au niveau du COP. Ceci dit, des parties importantes de ces décisions dépendent du progrès encore à obtenir lors de la négociation de BIF. Ceci dit, nous pensons que ce serait trop prématuré en ce moment de discuter cette décision projet et nous proposons que les parties aient l'opportunité de soumettre des commentaires écrits sur ces projets de texte en tant que base de discussion pour le COP. De cette façon, nous aurons la possibilité de concentrer nos efforts sur le travail au niveau de groupes de contact et des amis de la présidence. Une discussion sur un projet de décision en parallèle avec des négociations en cours ne ferait que dupliquer le travail. Merci, monsieur le président. Thank you. Merci. Je ne vois plus d'autres demandes de prise de parole de la part des groupes régionaux. Alors, passons à des interventions des partis. La parole aux partis. Je vois déjà le Cameroun qui demande la parole, suivi de l'Argentine. Le Cameroun, s'il vous plaît. Merci, monsieur le co-chair. Le Cameroun voudrait soutenir la position de l'Union européenne pour dire qu'au stade où nous en sommes avec l'évolution des travaux, nous n'avons pas encore tous les éléments qui pourront nous permettre de contribuer efficacement sur ce projet de draft de décision. Il serait intéressant effectivement qu'on nous donne un peu de temps pour que les travaux puissent évoluer et que nous puissions effectivement contribuer efficacement à ce draft de décision qui est un outil très important pour la COP 15. Merci. Merci. L'Argentine has disappeared from my list. L'Argentine n'est plus sur ma liste. Je sais quand même que Palau avait demandé la parole à distance. Donc, merci de donner la parole à travers l'interaction au Palau.
I know this takes a little bit of time. Je comprends que c'est un peu difficile vu la complexité de la technologie. Palau, you're on mute. Palau, veuillez activer votre micro pour intervenir à distance. Bon après-midi, monsieur le co-président. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très clairement, madame. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le président. Nous tenons à soutenir la déclaration de l'Union européenne par rapport aux discussions sur ce projet de texte pendant que des discussions sont en cours au niveau des groupes de contact. Merci, monsieur le président. Thank you. Merci. J'ai le sentiment qu'il y aura beaucoup d'interventions dans ce même esprit. Donc, je vais demander à tous et toutes de ne plus demander à intervenir faute d'avoir une autre demande. Alors, si vous êtes en faveur d'un rapport, ne demandez pas la parole. Si vous voulez toujours intervenir, demandez toujours la parole. Très bien. Donc, maintenant, la liste est beaucoup plus courte maintenant. Je passe au Brésil, suivi de l'Argentine. Le Brésil, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le co-président. Le Brésil tient à vous remercier, à vous, au co-président, pour le travail lors du groupe de travail et le groupe de contact. Nous tenons en amont à exprimer notre préoccupation quant au niveau d'évolution des négociations. On a pas su couvrir un grand nombre d'objectifs. Il y a encore beaucoup de questions en suspens. Nous comprenons la préoccupation de l'Union européenne et d'autres quant à la possibilité de s'engager dans des discussions à cette étape. Mais nous pensons que ce sera encore important que de se lancer dans ces processus, d'identifier des aspects clés pour ce qui est des éléments du projet de texte de décision. Le Brésil pense que ces éléments supplémentaires doivent être considérés. Et s'il y a aussi proposition d'ajout d'un paragraphe qui est à l'esprit de la déclaration du groupe, surtout pour le CBDR, et on doit reconnaître que rien dans ce cadre ne serait interprété en tant qu'un changement quant aux droits et obligations des parties par rapport à d'autres accords internationaux en vigueur. Qui plus est, nous sommes de l'avis que la décision projet sur le GBF doit aussi couvrir les liens intrinsèques entre le GBF et les mesures de mise en œuvre. Il faut que tout le monde puisse contribuer. Et pour ce qui est de paragraphe 6 et de l'article 20, et surtout article 20.4, qui réitère que tout cela pourrait refléter la mise en œuvre des engagements et aussi bien que la mise en œuvre efficace par les parties des pays développés d'autres engagements sous la Convention avec l'utilisation des ressources économiques et des technologies. Et il faut aussi prendre en considération le fait que ce développement économique doit viser à l'éradication de la pauvreté et aussi mettre la priorité pour les pays en développement. Nous pensons que la décision doit aussi énoncer un échéancier pour la création d'un fonds de biodiversité dont est assorti par un mécanisme de mise en œuvre de manière efficace. Nous allons encore soumettre nos commentaires en forme écrite. Merci. Thank you for submitting. Merci le Brésil. Merci aussi de bien vouloir nous soumettre le texte en écrit. L'Argentine, puis le Canada. Merci, Monsieur le Président. L'Argentine tient à remercier la première version des éléments pour opérationnaliser le cadre international que nous espérons pouvoir adopter à Montréal en décembre. Ma délégation aussi se déclare très préoccupée par rapport à la lenteur des négociations. C'est la raison pour laquelle, bien que nous comprenons les préoccupations d'autres délégations, nous pensons que puisqu'il y aura encore une révision pour l'avenir, et faisons ce que nous pouvons pour commencer avec quelques commentaires initials. D'abord, l'Argentine est de l'avis que la décision doit réaffirmer le principe de Rio en matière des contenus qui sont la pierre angulaire de notre convention et ceci signifie, ça va être ici le cas pour le cadre international.
la décision devrait aussi reconnaître le besoin de mettre en œuvre tous les articles de la Convention pertinente par rapport à la coopération et le transfert de technologies, surtout articles 18 et 19. Troisièmement, la décision doit aussi mettre en exergue le fait que le cadre international sera un outil pour la mise en œuvre de la Convention pour la biodiversité qui va contribuer à l'atteinte des objectifs dans le développement durable. Point 4. La décision de ce cadre devrait aussi affirmer à nouveau que l'éradication de la pauvreté et le développement sont des priorités pour les pays en voie de développement. 5. L'adoption du cadre devrait aussi être réalisée dans la même décision qui adoptera la stratégie pour la mobilisation des ressources. Celle-ci est clé pour une mise en œuvre rapide du cadre international en commençant le jour 18 décembre de l'an 2022. Point 6. Tout comme nous le signalons dans notre présentation, il y a un réserve quant à la possibilité de mettre en œuvre le mainstreaming à long terme. Pour le moment, donc, nous ne sommes pas en faveur de l'inclusion de la décision de COP numéro 7. L'Argentine soutient fermement paragraphe 8 de la décision en ligne avec l'article 20 de la Convention et nous considérons qu'il est indispensable de l'inclure dans ce document. Numéro 8, nous considérons que c'est très important que la décision puisse aussi faire appel à une continuation de travail pour améliorer la mise en œuvre de la Convention. Nous pensons que la préparation d'options en la matière devra aussi être faite en consultation avec les parties. Ma délégation a déjà s'est engagée à soumettre des commentaires écrits. Et nous allons aussi avoir encore des contributions dans l'avenir qui font partie du cadre. Merci. Au Canada, qui sera suivi par la Fédération russe. Le Canada, vous avez la parole. Monsieur le Président, thank you very much. Merci beaucoup. Et bien sûr, c'est le temps d'avoir une discussion de la décision du cadre. Je crois que nous sommes tous d'accord que ce que nous allons avoir dans ce cadre va être un équilibre très fin. Donc, il faut faire attention de ne pas renégocier tout ça dans nos discussions. Et donc, pour nous, ce n'est pas très utile d'avoir une discussion parce qu'il y a le risque d'avoir ce nouveau travail. Mais nous devons reconfirmer que ce que nous négocions dans le GBF et notre plan stratégique pour les 8 ans à venir. Et il faut prioriser, et il faut identifier les priorités et les besoins de la communauté. Donc, nous souhaitons vraiment voir un texte clair dans la décision projet qui va montrer que le texte final va identifier ses priorités et ça va nous aider à nous organiser nos réunions où nous allons focaliser nos ressources, notre travail, nos budgets et comment nous alignons tout notre travail au sein de notre travail en soulignant ces points importants. Nous allons aussi présenter tout cela par écrit. Merci au Canada. Maintenant, je passe la parole à la Fédération russe et puis l'Australie. Merci, cher co-président. Nous sommes du même avis d'autres délégations, surtout de notre collègue distinct du Maroc, qui a pris la parole il y a quelques minutes. Malheureusement, il y a un progrès assez lent
et nous pensons que c'est lié au fait qu'il y a des délégations qui ne sont pas prêtes à négocier des compromis. Et les objectifs et les cibles auxquelles, sur lesquelles nous avons travaillé pendant les derniers jours, on nous voyait que les textes deviennent de plus en plus longs au lieu d'être raccourcis. Nous souhaitons montrer l'importance de ce document qu'on discute. Nous savons que ce document, le GBF, est seulement, on va dire, l'annexe à la convention, à CBD. C'est important, bien sûr, parce que ça va être un document qui sera utilisé en tant que document, mais l'introduction de GBF va avoir sa place sous la convention CBD. Et des fois, on oublie cela. Il faut avoir une décision par la COP et la décision doit inclure les outils pour mettre en œuvre le GBF. Et puis, c'est important aussi de nous rappeler du point numéro 5 en parallèle avec le GBF à Montréal. Nous devrons aussi adopter plusieurs documents qui vont fournir la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020. Ce que nous devons inclure dans ce document, dans ce cadre, le GBF, sont les documents qui sont inclus dans le point numéro 5. Il faut garder cela à l'esprit et nous devons définir le bon endroit pour nos considérations, nos textes et nos souhaits. Si nous gardons cela en tête, même si on ne discute pas ce document aujourd'hui, il faut quand même garder cela en esprit, c'est-à-dire il faut garder à l'esprit quels sont les documents qu'il faudra adopter à Montréal. Sans ces documents, sans cette approbation, on ne pourra pas avoir la mise en œuvre du cadre. Nous rappelons tous du fait qu'on a utilisé beaucoup de notre temps et effort pour organiser les programmes sur les différents domaines, sujets, thématiques, et ça c'est très important. C'est important pas seulement pour décider où on va arriver, mais aussi comment on va y arriver. Nous avons entendu les délibérations de l'Argentine, du Brésil. Je ne vais pas faire la liste de tous les intervenants, toutes les propositions ici, parce qu'on a eu aussi du Canada, mais on va soumettre tout cela par écrit. Mais si nous ne regardons pas ce document aujourd'hui ou demain ou après-demain, je souhaite avoir la réponse quand. Est-ce que j'ai bien compris que tout va être reporté à la COP15 et que nous allons en fait reporter la discussion de ce document en décembre de cette année. Merci. Je passe la parole à l'Australie et puis la Colombie. Australie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Co-président. L'adoption du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 est une occasion très importante parce que ça va donner des priorités pour nos efforts individuels et collectifs pour les 8 ans à venir. Les décisions COP est l'opportunité pour contextualiser le cadre et réaffirmer des principes importants. C'est très important qu'on réussisse et qu'on passe notre temps à le discuter. L'Australie est largement en soutien du projet, mais nous avons quelques suggestions.
de premier lieu, de donner une reconnaissance au rôle du cadre comme un rôle stratégique et assurer que le travail sous la convention est en conformité avec le cadre. Deuxièmement, nous souhaitons enlever le mot flexible sous le cadre mondial. Troisièmement, d'assurer la consistance avec les directions et les résultats des discussions que nous avons eues ici à Nairobi sur la mise en œuvre. Et aussi de souligner l'importance de la participation complète des peuples autochtones et des communautés locales et d'inclure des groupes, des personnes, des genres et d'identités de genres différents dans la liste des parties prenantes. Nous suggérons que le texte démontre cela. Nous soutenons les références pour les ressources pour les îles. Nous savons qu'il y a plusieurs régions qui ont besoin de l'assistance. Ce sont des endroits qui sont sur la première ligne, qui doivent faire face au changement climatique et au déclin de biodiversité. Nous allons soumettre encore des points au secrétariat par écrit et nous avons hâte de continuer ces discussions fructueuses sur la décision projet. Merci. Je passe la parole à la Colombie et puis le Royaume-Uni. La Colombie, vous avez la parole. Merci, cher co-président. La Colombie souhaite remercier les co-présidents pour la décision, le projet de décision. Nous avons quelques commentaires préliminaires, mais suite aux commentaires de Canada et l'Union européenne, nous sommes encore au début des négociations. Et donc, ce n'est pas le bon moment peut-être de les discuter. Par contre, nous avons besoin d'une analyse spécifique de la mise en œuvre du glossaire. C'est important d'avoir une approche holistique de toutes les sessions au sein du cadre pour permettre une prise de décision qui nous permet d'avoir tout le contenu possible. Nous n'avons pas encore fait, mais nous pensons qu'il faut nous focaliser d'une façon appropriée sur un programme de travail qui se focalise sur les éléments fondamentaux, sur le paquet pour l'après 2020 avant d'arriver à la COP 15. Cela nous permettra puis d'approuver le document en décembre. Merci beaucoup. Je souhaite passer la parole au Royaume-Uni et puis la Nouvelle-Zélande. Royaume-Uni, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Co-président. Le Royaume-Uni vous demande de faire quelques commentaires et aussi des questions sur la mise en œuvre. Le Royaume-Uni était très clair que la mise en œuvre du cadre l'après 2020 exigera une mobilisation plus ample des ressources. Le Royaume-Uni a été très clair aussi que nous reconnaissons nos obligations et les obligations de tous les partis sur la Convention. C'est pour cela que nous sommes prêts à dépenser 3,7 milliards de dollars et aussi 12 milliards de dollars sur la déforestation et changement d'utilisation de terres. C'est l'honnêteté et le réalisme qui ne me permet que, par exemple, le montant total d'assistance internationale en 2020 pour tout assistance éducation, etc., c'était 160 milliards de dollars. Quand nous réfléchissons aujourd'hui sur la stratégie, le projet de proposition, il faut aussi nous rappeler d'autres points.
le rapport Poulsen, par exemple, sur lequel nous basons beaucoup de nos discussions, qui parle que seulement 5% et pas 100% des besoins sont couverts par la communauté internationale. Et en fait, pour environ 10 ans, on a des sources à nom bilatéral. Il n'y a pas la possibilité d'avoir 160 milliards de dollars d'autres sources. En ce qui concerne la mise en œuvre du GBF, le Royaume-Uni souhaite parler de deux éléments. Alors, d'avoir un paragraphe préambule d'avoir le montant qui est promis par les différents pays qui est augmenté par 30%. Deuxièmement, on porte des amendements au paragraphe qu'on n'a pas atteint les objectifs et de montrer que l'objectif 2013 a été seulement atteint il y a 2 ans après, en 2015, et a été atteint à chaque année après. Et on va soumettre nos commentaires par écrit. Merci. Merci au Royaume-Uni. Maintenant, je passe la parole à la Nouvelle-Zélande et puis la Suisse. Nouvelle-Zélande, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Co-Président, nous sommes d'accord que document projet prend en considération plusieurs points et est une bonne base pour la discussion. Nous sommes très heureux de voir qu'il y a des changements qu'on a suggérés qui étaient incorporés. Nous sommes d'accord avec les points faits par le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni. Nous souhaitons adresser 2 points. Sur le texte. Donc, en premier lieu, nous savons que les discussions sont en cours sur la section B bis et le paragraphe 11 fait référence aux contributions des peuples autochtones et du comité local. Mais nous pensons que cette décision doit faire référence aux droits des peuples autochtones comme paragraphe L bis de. Qui dit que les partis et le gouvernement vont assurer que les droits des peuples autochtones sont respectés et sont respectés dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Deuxième point, nous sommes assez inquiétés par le manque de spécificité dans le paragraphe 18C. Nous pensons que les parties doivent décider la nature d'autres orientations, matériel d'orientation qui doit être préparé par le secrétariat. Et nous proposons que le sous-paragraphe doit être enlevé. Merci beaucoup. Merci Nouvelle-Zélande. Maintenant, je passe la parole à la Suisse et puis la Norvège. La Suisse, vous avez la parole. Merci Monsieur le Co-Président. Nous pensons que c'est très important d'utiliser le temps pour avoir les commentaires sur l'adhésion projet. Donc, si on arrive à partager ces points, peut-être ça pourra nous préparer pour une deuxième projet que nous pourrons regarder plus tard dans cette semaine ou après. Alors, premier point. Nous sommes plus pour des points plus courts. Beaucoup des paragraphes opérationnels peuvent être déplacés dans le préambule parce que nous proposons que tous ces paragraphes opérationnels qui ne parlent pas de quelque chose de spécifique sont déplacés au préambule. Deuxièmement, nous devons faire attention, ne pas introduire des concepts dans le cadre qui ne font pas partie de la Convention sur la diversité biologique. Donc, nous ne devons pas changer le cadre dans lequel nous travaillons, mais de le renforcer. Troisièmement,
Nous soutenons la proposition faite par la Nouvelle-Zélande sur le dernier paragraphe, mais aussi par les deux propositions faites par le Royaume-Uni. Nous proposons aussi, nous soutenons la proposition de l'Australie en ce qui concerne le mot flexibilité. Et puis, nous avons aussi des propositions spécifiques des terminologies utilisées en ce qui concerne la finance, par exemple. Nous ne soutenons pas des conditions, des conditionnalités, et si ça adresse la finance, il faut montrer l'engagement de tous les pays, c'est-à-dire que les pays vont assister, fournir de l'assistance aux pays qui en ont besoin. Puis, les priorités nationales. Nous pensons que les phrases qui sont utilisées ne montrent pas ce que l'on veut montrer, ni la formulation. Et donc, la Convention sur la diversité biologique doit être une priorité nationale. Et puis, nous souhaitons voir une contribution de la mise en œuvre des différentes parties prenantes, et nous invitons en fait de renforcer une coopération dans ce sens-là. I would like now to give the... Maintenant, je souhaite passer la parole à la Norvège et l'Afrique du Sud. La Norvège, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La Norvège donne la bienvenue à cette opportunité pour passer les commentaires pour ce texte, même si on sait qu'il faut encore des discussions avant la COP 15. Nous suggérons qu'il y a une référence claire en ce qui concerne le financement du JEF et de donner les pays au développement de la possibilité de mettre en pratique le cadre mondial pour la biodiversité pour l'après 2020. Nous souhaitons avoir un texte qui montre que ce cadre doit être mis en œuvre en conformité avec les droits de l'homme. D'avoir un texte qui reconnaît que la mise en œuvre du cadre de l'après 2020 reconnaît la reconnaissance entière des peuples autochtones, des communautés locales. Nous croyons aussi que toutes les parties ont un devoir de protéger leur propre biodiversité en conformité avec l'article 20, mais leurs capacités sont différentes et que ce projet de décision doit refléter cela. Ce cadre n'est pas seulement des objectifs et des cibles, ça inclut aussi des mécanismes pour la mise en œuvre, comme la sexologie, comme les responsabilités et la transparence. Et donc, nous suggérons de demander le paragraphe 4 pour montrer cela. Nous pensons aussi, nous avons aussi apporté une révision à 18A. Nous suggérons d'enlever quelques parties qui, par exemple, les paragraphes 18B et C, paragraphe 5, qui sont redondant, et nous soutenons les commentaires du Royaume-Uni et aussi les commentaires apportés par la Suisse parce que quand nous avons eu la négociation de la convention, il y a eu une discussion importante des principes qu'il faut inclure et des principes qu'il ne faut pas inclure, et le CBDR n'était pas inclus. Donc, ça ne fait pas partie de la Convention sur la diversité biologique. Et donc, c'est clair que ce ne doit pas faire partie de nos négociations. Par contre, nous savons que les capacités sont différentes dans les différents pays. Et donc, il y a des pays qui doivent fournir de l'assistance à d'autres pays. Nous allons envoyer nos points par écrit. Merci à Norvège. Maintenant, je souhaite passer la parole à l'Afrique du Sud et puis la Bosnie-Herzégovine. Afrique du Sud, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Co-président. L'Afrique du Sud apprécie les éléments de ce projet. Nous sommes d'accord
avec les autres, qu'il y a des éléments qui dépendent sur la discussion en cours dans les différents groupes de contexte. L'Afrique du Sud souhaite mettre en exergue que le cadre doit montrer un équilibre et d'inclure les différents documents. Le cadre doit être mis en œuvre en conformité avec les priorités et capacités nationales et tous les objectifs doivent apporter à la vision 2050 et il faut avoir les ressources dont il y a besoin. L'Afrique du Sud, est-ce que vous pouvez ralentir pour les interprètes? Merci. Je m'excuse. Nous sommes d'accord avec le Brésil que la décision actuelle doit reconnaître des discussions pertinentes à l'article 16 et de faire référence à l'établissement au fonds de diversité biologique pour mobiliser du financement additionnel dont il y a besoin pour la mise en œuvre du cadre pour l'après 2020. Nous faisons appel aussi pour une coopération technique pour les pays en développement. Nous souhaitons voir aussi une décision sur l'information de séquençage numérique et pour avoir une recommandation de ce groupe à cet égard. L'Afrique du Sud va soumettre tous ces points par écrit au secrétariat. Merci. Merci à l'Afrique du Sud. Maintenant, la Bosnie-Herzégovine. Et puis le Costa Rica, Bosnie-Herzégovine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Co-président. En premier lieu, nous soutenons les déclarations du Cameroun et de l'Union européenne. Donc, on a encore quelques commentaires généraux sur le texte proposé. Nous allons nous focaliser sur des points que l'on considère manquants dans ce projet. La mise en œuvre du cadre est 2 ans en retard et c'est important de faire référence dans les paragraphes préambulaires et aussi de mentionner les raisons pour les retards. De l'autre côté, dans les paragraphes opérationnels, il n'y a pas de référence en ce qui concerne 2030. Nous pensons que d'éliminer la référence 2030 et de nous focaliser sur la vision 2050 seulement ne contribue pas pour comprendre le besoin urgent pour l'action sur la biodiversité. Nous ne sommes pas en faveur de ça et nous pensons que ce texte doit fournir la communauté internationale et les gouvernements nationaux avec une base pour une action urgente. Merci. Merci. Bosnie-Herzégovine. Maintenant, on passe la parole à Costa Rica et puis la République de Corée. Merci. Monsieur le co-président, Costa Rica demande aux parties de compter les efforts pour les discussions sur le cadre. Ça va être une partie clé pour renverser les efforts de la diversité biologique et ce sera utile pour pouvoir approuver le document à la COP15 plus tard cette année. Nous faisons appel à 97 parties de doubler les efforts que nous avons eus jusqu'à maintenant au Costa Rica et assurer que les nouvelles générations vont apprécier ce travail. Nous avons quelques observations et nous allons envoyer tout ça par écrit. Merci. Merci, Costa Rica. Juste un instant, je vais conférer avec le secrétariat.
Thank you. Republic of Korea, followed by Japan. Republic of Korea, you have the floor. La République de Corée. Merci, Monsieur le Co-président. Tout d'abord, nous tenons à remercier les co-présidents et le secrétaire d'avoir préparé ces projets de texte de décision. Notre intervention porte sur un des principes fondamentaux qui ne va pas être affecté par les résultats des discussions en cours des groupes de contact. Notre délégation désire mettre en exergue l'importance de la coopération entre le CBD et autres entités des Nations Unies par rapport à la mise en œuvre de GBF pour les synergies. Qui plus est, et à cette liste en cours, en paragraphe 16 de la décision, nous tenons à inclure UNESCO et surtout le programme Homme et Biosphère en tant que composante importante pour la mise en œuvre de GBF, particulièrement pour ce qui est du renforcement de la conservation in situ, l'approche de base et la création de capacités. Nous proposons donc l'inclusion en paragraphe 16 et la phrase suivante. L'UNESCO, à travers son programme pour l'homme et la biosphère et son réseau mondial de réserves de biosphère. Pour le reste, le paragraphe reste le même. On va s'y soumettre cette proposition de texte en écrit. Merci. Pour ce qui me concerne, toute intervention que vous vouliez faire serait bien sûr la bienvenue, mais il vous faut aussi le soumettre par écrit. D'abord le Japon, puis Congo. Merci, Monsieur le Co-président. Le Japon tient à remercier le Co-président et les collègues de groupe de contact, ainsi que la modération assurée à ces niveaux pour leur dévouement quant à la rédaction de ces textes et à la conduite d'une discussion aussi constructive. Nous devons tous poursuivre nos efforts vers l'adoption de ces cadres en matière de la biodiversité après 2020, au décembre de l'année en cours. C'est notre dernière et ultime occasion d'entreprendre de l'action significative de manière positive. Et surtout pour ce qui est de notre objectif de 2025. Ceci dit, on a quelques considérations par rapport aux éléments qui ont trouvé leur chemin dans ce texte de projet de décision d'ici COP15. On a soumis déjà quelques propositions en écrit. La rationale derrière ces propositions, c'est d'être cauteleux par rapport à ce travail. Plusieurs des aspects qui ont été soulevés par le Japon n'ont pas été pris en compte. Le Japon doit encore réitérer ses propositions et vous prie de ne pas omettre, prendre en considération ces aspects. Le Japon tient aussi à soutenir le commentaire formulé par le Canada et autres collègues par rapport aux CBDO. Bien sûr, nous allons resoumettre le texte de nos propositions en réitération de ce qui a déjà été formulé. Le Japon aspire à ce qu'une discussion puisse être analytiquement entreprise à ce sujet. Merci, le Japon. La République démocratique du Congo, that will be followed by Bolivia. République démocratique du Congo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La République démocratique du Congo est fortement préoccupée par la lenteur du progrès réalisé ici à Nairobi. Il était prévu que les travaux se terminent à Genève et quand le groupe Afrique avait montré la nécessité de poursuivre les échanges et négociations sur ce cadre mondial post-2020, plusieurs parties avait montré que ce n'était pas intéressant. Maintenant, il est curieux de constater que plusieurs autres parties ne sont pas favorables à l'avancée des travaux, à l'avancée rapide des négociations sur les documents du cadre.
Il y a des propositions allant dans le sens de plusieurs cibles, dont pour la plupart, les idées se retrouveraient déjà dans certaines parties du cadre, notamment dans les cibles, dans certaines cibles existantes, les objectifs, les sections, etc. Et ceci rend encore beaucoup plus compliqué le travail. Ces cadres qui devaient être adoptés depuis 2020 ne l'est toujours pas 2 ans et demi après. D'où la République démocratique du Congo recommande ce qui suit. Que les négociations s'accélèrent pour les parties colorées en rouge. Que les négociations et autres travaux intersections se poursuivent pour accélérer les compromis avant la tenue de la COP15. Que les COSHER proposent une nouvelle méthode de travail pour les 2 jours qui nous restent à Nairobi, ce qui faciliterait l'examen du projet de décision à adopter lors de la COP15. Pour terminer, la République démocratique du Congo soutient la proposition faite par l'Union européenne qui a été également soutenue par le Cameroun. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci, la République du Congo. I now pass the floor to Bolivia. Et la parole maintenant à la Bolivie, suivie par l'Ouganda. La Bolivie, vous avez la parole, Monsieur le Co-président. Nous apprécions fortement la proposition de texte de décision. Néanmoins, nous avons à titre liminaire isolé quelques éléments que nous considérons qu'on devrait incorporer. D'abord, il faut renforcer la vision que le contexte international de la biodiversité après 2020 devrait aussi de manière efficace avancer et encourager la mise en œuvre des objectifs de la Convention quant aux principes et les dispositions. Le cadre international pour la biodiversité devrait aussi avoir comme but renforcer l'emphase sur le besoin de vivre bien en harmonie avec la mère Terre, en reconnaissant que plusieurs pays ont déjà approuvé et endossé les droits pour la Terre et la nature qui vont renforcer la conservation de la biodiversité et son utilisation durable. Que l'assignation des ressources financières doit être faite dans le contexte de l'article 20 de la Convention. Et il en va de même pour affirmer les principes des responsabilités communes qui ont déjà été mises en exergue. Nous devons encore affirmer que le cadre international de biodiversité après 2020 doit renforcer, pas seulement les actions des pays, mais aussi le dispositif intégral des moyens qui assure la mise en œuvre et aussi réaffirmer la disponibilisation de financement adéquat et prévisible pour les pays, tout en mettant en exergue le besoin que les pays doivent faire les efforts nécessaires pour éliminer toute dette qui a été contractée et établir un mécanisme multilatéral de restructuration de la dette à travers de l'assignation de ces recours de manière efficace pour la conservation de la biodiversité. Nous soutenons aussi ceci de manière très forte les besoins qui émanent de la Déclaration universelle des Nations Unies en matière des droits des peuples indigènes, mais aussi la déclaration sur les droits des paysans et autres personnes qui travaillent dans les zones rurales, et tout en renforçant le compromis des gouvernements quant à la mise en œuvre efficace, le soutien aussi des pays, des peuples indigènes en tant que moyen de mise en œuvre pour le renforcement de leur rôle en tant que gardien de la biodiversité sont quelques-uns des éléments que nous pensons devraient aussi être intégrés dans ce document.
et on va par la suite vous soumettre en écrit notre proposition. Merci, Monsieur le Président. Gracias, Bolivia. Now we'll pass the floor to Uganda. Merci, la Bolivie. L'Uganda, suivi par le Mexique. Uganda, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Co-président. L'Uganda partage les avis exprimés par l'Union européenne et soutenu par le Cameroun, Palau et autres pays. Nous aussi, nous apprécions les préoccupations du Brésil et autres, mais quand même, notons qu'il y a encore des questions en suspens lors des discussions en cours sur plusieurs aspects qui ont été recouverts par les éléments de la décision pour opérationnaliser le DPF post-2020, comme Canada, la Colombie et autres. Et nous nous sommes trouvés maintenant dans une position où nous faisons des efforts de se garder, de formuler des observations, commentaires. D'autre part, on est assez tenté de venir en avant avec d'autres commentaires sur la décision, projet de décision. Cette approche, cette façon d'aller en avant est plutôt infortunée. Et lors de la négociation d'un instrument aussi crucial pour le GDBF, nous aurions préféré qu'il y ait décision de la part des coprésidents en amont quant à la méthode à appliquer de manière inambiguë, égalitaire et juste. D'aucuns entre nous, nous nous sentons un peu lésés par tout cela. Ceci dit, Monsieur le Président, nous respectons les positions de ces partis qui ont déjà intervenu sur la décision en projet de texte. Notre position est que nous tenons à soutenir et réitérer la position et qu'en ce moment est plutôt prématuré que de discuter le projet de décision. Merci, et merci Uganda. La parole au Mexique, suivi par la Chine. Le Mexique, vous avez la parole. Merci, Ecocher. México está de acuerdo con Canadá en no entrar en. Le Mexique est d'accord avec le Canada. Il ne faut pas entrer dans la discussion des éléments dont on ne connaît pas la étendue. Nous comprenons le besoin de collaborer avec les conventions et nous mettons en exergue le fait qu'il faut aller au-delà des trois conventions de Rio avec toutes ces conventions qui portent sur la biodiversité. Nous exigeons donc systémiser, intégrer de manière efficace ce que chacun préconise. Nous avons aussi besoin de renforcer la coopération avec les gouvernements nationaux en tant que metteur en œuvre du cadre international parce que cela va soutenir le travail fédéral et va nous mettre plus proches à notre réalisation. Nous voulons aussi soutenir la déclaration faite par la Norvège et l'Irlande par rapport au compromis sur les droits humains et le rôle critique que les peuples indigènes et les communautés et locales font. Mais nous avons aussi besoin de reconnaître l'importance des femmes et des jeunes filles. Nous avons besoin de se souvenir qu'une référence à la décision de COP qui va émaner des recommandations du groupe de travail AIGE en 2019 sur le développement de nouveaux programmes de travail et des arrangements institutionnels sur l'article G et autres dispositifs en matière des indigènes et des communautés locales. Nous remercions toute proposition qui a été faite en matière du développement de capacités de transfert de technologie et nous voulons rappeler une fois de plus que nous avons besoin des moyens de mise en œuvre de toutes sources pour une mise en œuvre efficace de ce cadre. Merci beaucoup, Monsieur le Co-président. Gracias, Mexico. Merci, le Mexico. La parole à la Chine, suivie des Philippines. La Chine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Co-président. La Chine soutient la décision des co-présidents comme quoi la discussion soit poursuivie sur la deuxième partie du COP15. Ceci dit, la Chine doit aussi mettre en exergue deux points à voir. Le cadre devrait faire l'écho
des points fondamentaux cardinaux même. Par exemple, paragraphe 3, qui prévoit que tous les pays doivent, à la lumière des réglementations des Nations Unies, développer le plus de ressources nationales possibles. Et puis, paragraphe 4, en matière champ d'application, nous tenons donc à souligner que pour ce qui est de la mise en œuvre dans l'avenir, il faut aussi le faire pour le cadre. Et pour ce qui est du scope de la Convention, il faut aussi mettre cela en exergue. Pour ce qui est des objectifs IGI, nous espérons c'est que les objectifs puissent aussi être inclus dans le nouveau cadre pour le futur GBF. Il faut que toutes les parties puissent bénéficier de la flexibilité qui permettrait son mise en œuvre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, la Chine. La parole est aux Philippines, suivie de Belarus. Les Philippines, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Co-président. Nous proposons souligner quelques aspects que nous pensons doivent aussi être reflétés sur le projet de texte de la décision pour l'opéralisation du cadre global pour la biodiversité après 2020. Il y a besoin que le texte soit reflété le besoin d'inclure aussi des changements transformatifs pour aussi des rapports clés telle l'évaluation globale du BSR 5 EB 02. Cette décision doit aussi reconnaître officiellement les communautés locales et les indigènes en tant que partenaires à part égale pour la mise en œuvre. Leur contribution doit être soutenue et reconnue. Par la suite, il est important de renforcer le fait que le cadre doit être mis en œuvre sur base de cette approche en ligne avec les principes comme par exemple l'égalité intergénérationnelle et des genres. Nous sommes prêts à soutenir la mise en œuvre du cadre après 2020 et nous espérons qu'il y aura autant d'engagement de la part d'autres pays et sur régionaux et des organisations internationales. Aussi bien que le secteur privé pour que tous puissent engager de manière efficace vers une vie en harmonie avec la nature. Merci, Monsieur le Co-président. Merci beaucoup, les Philippines. Nous allons maintenant donner la parole à Belarus, suivi par l'Iran. Belarus, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Co-président. La Biélorussie désire exprimer son appréciation au co-président et au secrétariat pour ces projets de texte. Je tiens à mettre en exergue le fait que le point numéro 9 de cette décision relève d'une grande importance, d'autant plus qu'il s'apporte sur le bien des pays en développement pour que ceux-ci puissent mettre en œuvre le cadre préconisé. Ceci dit, nous pensons qu'il y a un mot qui manque, c'est le mot « all ». Tous les pays en voie de développement doivent pouvoir bénéficier de cette aide financière. Ce serait aussi une possibilité pour tous les pays de mettre en œuvre. Vous avez quand même remarqué que pendant les échanges d'hier, le GF ne se projette pas à inclure tous ces pays dans ces processus. Ceci devrait être évité. Merci, Monsieur le Président. L'Iran, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aussi au secrétariat. La République islamique de l'Iran vous remercie d'avoir préparé ces projets de texte.
il faut utiliser et de tous les programmes initiatives, y inclut UNBP, UNEP, NFAO, l'impact académique des Nations Unies, etc. Et la mise en œuvre de GFP qui requiert le soutien aussi d'institutions nationaux et internationaux ainsi que de ressources. Toutes les parties doivent y être sans restriction ou limitation internationale. Il faut savoir mettre en valeur la législation internationale et aussi l'engagement universel dans ce sens. GBF a besoin d'une coopération multilatérale et ceci de la part de tous et toutes. Ceci aussi requiert l'amélioration de la communication, l'éducation, la sensibilisation du grand public, l'innovation et le développement de capacités de la part de toutes les parties afin d'améliorer la connaissance, l'information et aussi le révérencement de la biodiversité et d'autres aspects dans des zones aussi rurales et périurbaines. Nous vous remercions donc pour l'effort accompli. Merci beaucoup. Merci l'Iran. Nous passons au Pérou à distance à travers Interactio, suivi par Togo. Pérou, vous avez la parole. Muchas gracias. Merci beaucoup, monsieur le coprésident. Le Pérou désire manifester notre soutien quant au projet de texte de la décision et de ce fait, nous tenons à mettre en exergue les points numéro 1 et 2 du projet de texte de la décision en se permettant le commentaire suivant. Monsieur le coprésident, pour ce qui nous concerne, nous voulons voir des objectifs ambitieux, oui, mais aussi réalistes. Nous pensons que pour ce faire, il faut prendre en compte les pays aussi divers que Pérou, qui ne peuvent pas se permettre des objectifs de priorité pour toutes les espèces et toutes les personnes. Pour nous, ça devient très compliqué de l'appliquer en pratique. Ceci ne va pas dire que nous ne voulons pas avoir des objectifs ambitieux. Tout simplement, ce que nous demandons, c'est de reconnaître le besoin de donner la priorité aux espèces les plus menacées dans des écosystèmes dégradés et surtout des espèces en péril. Néanmoins, la conservation d'écosystèmes contribue de manière significative à la conservation de la biodiversité. Nous soutenons de manière très proclamée la protection de 30% des écosystèmes en tant qu'objectif global. Nous pensons que les objectifs doivent être clairs, mesurables et succincts, sans chevauchement, sans répétition. Et pour ce qui est du financement, nous tenons à rappeler quels sont les engagements écrits sur l'article 20. Finalement, monsieur le coprésident, nous tenons à vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de intervenir pour faire connaître nos intentions et mentionner que pour le reste, nous allons soumettre en écrit nos propositions. Je vous remercie, monsieur le président. Gracias a Pérou. Merci au Pérou. La parole au Togo, suivi par l'Éthiopie. Le Togo. Merci, monsieur le président. Merci, le secrétariat, pour les différents projets de notes et de résolutions. Messieurs les co-présidents, chers collègues, le cadre mondial pour la biodiversité pour 2020 pose les bases fondamentales devant permettre aux États parties de vivre en harmonie avec la nature pour les 8 années à venir.
du moins. Nous le voulons ambitieux afin qu'il soit à la hauteur des défis de la perte croissante et inquiétante de la biodiversité. Les conséquences sont évidemment dramatiques pour les communautés dont les modes de vie sont étroitement liés à la biodiversité. Le Togo partage donc les préoccupations du Maroc et de la République démocratique du Congo concernant la lenteur des progrès et exhorte les parties à plus de compromis dans les négociations. Monsieur le co-président, chers collègues, à chaque fois que nous traînons sur l'adoption du cadre, c'est des opportunités manquées pour protéger la biodiversité et renforcer la résilience des communautés locales de plus en plus vulnérables aux effets du changement climatique. Le Togo souhaite aussi qu'il y ait des avancées sur la question d'information sur le séquençage numérique. Nous enverrons notre déclaration par écrit. Merci, Monsieur le Président. Merci, le Togo. I'll now give the floor to Ethiopia. La parole à l'Éthiopie, suivie de l'Israël. L'Éthiopie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Co-président. L'Éthiopie soutient le projet de décision en matière du cadre global post-2020. Nous réalisons que la biodiversité est sous menace très sérieuse et inclut des effets du changement climatique, d'où l'urgence d'adopter ces cadres afin qu'on puisse être en mesure de protéger la biodiversité aussi pour les générations à venir d'une manière durable. Quant au développement à ce stade, des parties, des pays et des groupes peuvent comprendre bien sûr que la biodiversité est sous menace, mais à part cela, il faut quand même trouver le consensus pour aller en avant, avoir du progrès quant à la projection d'objectifs mesurables et réalistes déjà à la base. Il faut avoir des objectifs quantifiables, mesurables et réalistes afin que tous les metteurs en œuvre puissent les comprendre bien. La décision de GBF doit donc aussi établir une association directe, les synergies entre les objectifs et les atteintes. Et c'est à nous de rendre le texte clair et de renforcer un texte qui serait la base de notre négociation pendant nos deux jours de ce jour ici à Nairobi. Aussi faut-il mettre sur place un mécanisme de suivi et de mise en œuvre avec la mobilisation de ressources financières qui doivent être là pour aider tous et toutes pour une mise en œuvre efficace. GRF devrait donc être adopté en ligne avec les priorités nationales pour une communication efficace, de manière efficace et prévisible. Et pour ce qui est des partis et des autres gouvernements, il faut faire l'engagement direct pour une mise en œuvre efficace afin que le message soit clair au COP15. Monsieur le Co-président. Merci à l'Éthiopie. Je passe la parole à l'Israël et puis Zimbabwe. Israël, vous avez la parole. Merci, monsieur le coprésident. Israël envisage d'avoir un cadre ambitieux pour avoir un succès à la COP15 Montréal, qui aura lieu à Montréal. C'est important pour la communauté internationale, mais aussi sur une échelle nationale. On a beaucoup de travail à faire, pas beaucoup de temps, mais on est confiant qu'on peut atteindre cela dans les délais que nous avons. Pour faire ça, nous devons atteindre et arriver à des accords pour lesquels nous sommes ici à Nairobi. Nous sommes d'accord avec l'Éthiopie sur les questions du changement climatique. Et en vue de la crise de changement climatique, c'est essentiel de lancer ce cadre. Les crises deviennent de plus en plus transparentes et nous devons agir maintenant pour pouvoir résoudre cela. Avant la COP 15, il y aura la COP 27 et il y a beaucoup d'espoir pour cette réunion. Il nous faut beaucoup d'espoir pour la COP 15. Merci à l'Israël. Et maintenant, je passe la parole au Zimbabwe. Et ce sera la fin des interventions par les partis. Zimbabwe, vous avez la parole. Merci, monsieur le co-président.
Le Zimbabwe souhaite vous remercier pour votre orientation, pour votre leadership jusqu'à maintenant. Nous sommes assez inquiétés par les retards que nous voyons dans la salle avec la nouvelle introduction dans les textes. Tout cela est malgré le fait que toutes les parties sont d'accord avec les parties du texte et qu'il faut présenter ce texte à la COP15. Nous souhaitons vous rappeler que c'est seulement un cadre, un document de cadre, et les parties peuvent utiliser ce document selon leurs besoins. Nous vous souhaitons répéter que les discussions doivent se focaliser plus si on envisage d'avoir un cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 avant la COP15. Il faut peut-être oublier un peu les positions nationales parce que c'est assez c'est important de regarder l'échelle internationale. Merci beaucoup. Merci au Zimbabwe. Maintenant, nous allons avoir les retours d'autres gouvernements et des groupes majeurs. Je souhaite passer la parole. L'IOLC, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Saint-Siège envisage cette adoption de ce cadre en vue des menaces. Le cadre a besoin de la plus grande coopération et un plan en commun. Le Saint-Siège fait appel à une utilisation d'un langage non ambigu et des textes clairs. Le Saint-Siège n'accepte pas les textes des personnes avec un genre spécifique et des genres différents dans la liste des parties prenantes. Merci au Saint-Siège. Je souhaite passer la parole maintenant au groupe des grands groupes. Votre déclaration doit être plus courte de 3 minutes. Je vois une demande de l'IPLC. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher coprésident. Je parle au nom du Forum des peuples autochtones. Nous souhaitons montrer que c'est en ligne avec le fait qu'on ne respecte pas les droits des peuples autochtones, et nous souhaitons en fait voir les suivants reconnus dans le document. En premier lieu, de reconnaître les groupes les peuples autochtones en tant que partie prenante pour garantir leur participation dans la prise de décision en ce qui concerne la diversité biologique, et assurer aussi la participation des femmes et des jeunes. Deuxième, de soutenir les communautés autochtones locales dans la défense de la nature qui sont cruciales dans la protection de la diversité biologique. Troisième point, les droits des peuples autochtones, communautés locales, qui doivent être reconnus, et nous devons considérer que nous devons faire des avancements avec ce texte pour assurer qu'on améliore notre prise de décision, le processus de prise de décision en vue de du COP15. Nous sommes engagés entièrement dans la participation de toutes les réunions pour continuer à suivre les corrections, les décisions, la mise en œuvre du processus. Nous soutenons le réseau des jeunes qui sera présenté devant le secrétariat. Merci.
des organisations de la jeunesse. Niger, vous avez la parole. Le Niger, si vous pouviez réclamer le micro. Voilà. Oui. Merci, Monsieur le Président. Le Niger parle, ma voix souhaite relever un aspect. Monsieur le Président, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya, Monsieur le Président, le système bilatéral de partage des avantages ici de l'utilisation des ressources génétiques constitue la principale voie et la voie privilégiée la plus avantagée dans le cadre de la mise en œuvre du protocole. Et aujourd'hui, plusieurs cas ont été cités et qui démontrent que le système bilatéral peut avoir ses limites malgré la bonne volonté des pays à coopérer. Pour le Niger, il ne faut pas attendre que les problèmes se posent pour aller chercher des solutions. Il faut les prévoir et nous pensons que l'absence d'une porte de sortie dans ces conditions ne serait pas souhaitable. Monsieur le Président, pour le groupe africain, le mécanisme multilatéral pourrait même constituer une solution idéale au problème des DSI grâce à l'institutionnalisation des mécanismes de suivi appropriés et en garantissant le respect de la part pour les DSI, pour les questions de séquençage numérique par rapport aux ressources génétiques. Compte tenu de ce qui précède, nous apportons notre soutien à la déclaration de l'Afrique et aux autres pays qui ont abordé dans ces conditions sur la thématique. Et nous demandons aux pays de coopérer pour enlever les crochets qui entourent les éléments des recommandations et afférentes. Je vous remercie. Nous envoyons cette proposition par écrit. Merci, le Niger. I'll now give the floor to you. Maintenant, je passe la parole aux jeunes, puis les femmes. Merci. Monsieur le Co-président, je parle au nom du Forum des jeunes global. Nous soutenons les déclarations de Femmes Caucus et nous faisons appel pour la reconnaissance des peuples autochtones, communautés locales, jeunes et femmes, et qui doivent être inclus dans la mise en œuvre du GBF. Nous pensons que la mise en œuvre peut être seulement efficace si on suit une approche basée sur les droits et aussi de reconnaître les différentes parties prenantes. Nous avons hâte d'être engagés dans les prochaines discussions pour avoir la possibilité de créer un impact pour les jeunes et les générations à venir. Et pour commencer un GBF qui nous inclut efficacement et entièrement. Merci aux jeunes. Merci. Maintenant, les femmes. Et puis, nous avons les universitaires et chercheurs. Merci, Monsieur le Co-président. Je voulais soulever un point important. Nous comprenons que dans le groupe de contact 4 dans cette réunion et à Genève, il y a eu un soutien pour un objectif unique pour en ce qui concerne les femmes. Nous devons nous assurer que ce n'est pas quelque chose qui est perdu dans tout le travail. Et nous ne devons pas perdre l'opportunité comme on a eu à Rome il y a 2 ans, parce qu'on a oublié de l'inclure dans le rapport final. Jusqu'à maintenant, 50 parties ont montré très clairement leur engagement en ce qui concerne les femmes et les jeunes filles comme un objectif unique. Et merci de regarder autour de vous. Toutes les fleurs sur les tables représentent toutes les championnes de genre. On vous remercie chacun et chacune. Pour soutenir les efforts de cette réunion, pour soutenir les droits, il nous faut une approche entière de la société. Et nous avons des propositions à faire. Nous avons 5 propositions. Je vais être très rapide. Première proposition, section 2, paragraphe 3, à ajouter, répondre au genre et à la société
quand on parle de la mise en œuvre du cadre. Proposition 2, paragraphe H, de rajouter après coopération avec d'autres conventions, y compris ceux liés aux droits de l'homme. Proposition 3, section 2, paragraphe 9, à rajouter en lien aux facilités, aux installations environnementaux et un soutien financier aux pays indirectement aux peuples autochtones et communautés locales et des groupes des femmes. Proposition 4, section 2, paragraphe 10, rajouter femmes, enfants et jeunes. Proposition 5, section 2, paragraphe 18, de rajouter une approche basée sur les droits. Monsieur le Président, nous souhaitons demander aux partis de montrer le soutien pour toutes les propositions ou pour une des propositions, ou quelques-unes. Merci. Merci. Vos commentaires seront... on prendra note de vos commentaires. Je ne crois pas qu'il nous faut le soutien à ce moment-là. Les universitaires et chercheurs, quand vous avez été assez efficaces dans les commentaires, on peut avoir les retours par organisation. Universitaire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je souhaite mettre à... pour votre considération, les suivants. Dans le texte préambule, à part d'améliorer la convention à travers les objectifs, je souhaite suggérer qu'il faut montrer en fait que les trois objectifs de la convention sont mutuellement en soutien. C'est pour souligner l'utilisation des ressources génétiques pour assurer que ces ressources sont essentielles pour la conservation de la biodiversité. Deuxième, en lien avec les activités de construction de capacités et un partage d'informations, on suggère d'inclure les femmes et les jeunes à part les peuples autochtones et communautés locales. Puis, dans le paragraphe 11, on suggère d'améliorer la clarté de ce paragraphe pour éviter le mélange entre participation et contribution. Ce point spécifique est pour assurer une participation complète de toutes les parties prenantes, y compris peuples autochtones, communautés locales, jeunes et femmes, et de faire un appel différent des contributions par les différents secteurs, la société civile a contribué au GBF. Finalement, nous suggérons de regarder les droits de l'homme et de l'inclure pas seulement dans le projet de décision, mais aussi à travers le document du GBF. Une approche basée sur les droits de l'homme dans le GBF va mener à une approche transformative dans l'action en reconnaissant que sans l'implication des parties prenantes qui sont impliquées et qui sont impactées par la biodiversité, ce n'est pas possible d'avancer d'une façon efficace sur les trois objectifs de la Convention. Merci beaucoup, Monsieur le Co-président. Merci aux universitaires et ça fait du bien d'entendre votre voix de nouveau. ONG, alors nous allons passer la parole au micro 238. Merci, Monsieur le Co-président. Je parle au nom de WWF. Nous pensons que la décision COP doit donner une orientation globale à la mise en œuvre du cadre et ses liens avec les différents accords et approches. Donc, nous sommes d'accord avec la proposition des Philippines sur une approche basée sur le droit. Et à part cela, nous avons les trois propositions à venir. D'inclure des éclaircissements dans le paragraphe 11 et de fournir une orientation sur comment une approche basée sur la société peut être mise en place en incluant les différentes parties prenantes et les secteurs clés. Deuxièmement, d'inclure un nouveau paragraphe 12 bis pour assurer
des synergies avec les différentes parties prenantes et les ODD. Troisièmement, dans le paragraphe 13, de reconnaître que les ODD liés à la biodiversité avec le délai 2020 doivent être en ligne avec le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020. Nous avons des propositions plus précises que nous allons soumettre au secrétariat et s'il y a le besoin pour le soutien des parties à ces propositions. Merci. Merci à l'ONG. Je ne vois pas d'autres demandes pour la prise de parole. Merci aux délégués d'avoir partagé vos points de vue. Nous avons maintenant atteint la fin de notre discussion sur le projet de décision de la COP au point 4 de l'ordre du jour. Nous avons eu une discussion très riche et avons entendu quelques bonnes suggestions de la part des délégués. Nous allons préparer un texte pour la considération et pour en tant que CRP pour la considération de CRP. Maintenant, je passe la parole à mon co-président pour la clôture de cette réunion. Francis, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir terminé ce point de l'ordre du jour. Chers délégués, nous approchons de la fin de notre réunion plénière aujourd'hui. Mais avant de conclure, je voudrais donner la parole au secrétariat pour d'éventuelles annonces. Secrétariat, vous avez la parole. Merci, Monsieur le co-président. Je voulais vous mettre à jour sur des réunions des amis des coprésidents qui auront lieu juste après. Une réunion sur l'objectif 19.1 qui aura lieu dans la salle 11 et puis l'autre réunion se portera sur la section J et nous allons continuer dans la salle 3 et 4. Donc, juste après cette réunion, nous avons deux réunions des groupes des amis du coprésident qui continueront jusqu'à 19h30. Merci beaucoup. Merci, secrétariat. Juste avant de clôturer, est-ce que je vois la Nabibi? Est-ce que vous avez pris la parole ou est-ce que vous avez demandé la prise de parole? Merci, Monsieur le co-président. Juste un éclaircissement. Au début, vous avez indiqué que peut-être on aura une discussion sur la proposition sur un nouveau objectif sur la santé. Où est-ce est-ce que les parties vont prendre la discussion? Quand est-ce que cette discussion va avoir lieu? Merci. Si vous pouvez éclaircir là-dessus. Oui, juste un instant. Ce sujet va être discuté dans le groupe de contact 4. Alors, cher Kelly, désolé, excusez-moi. Juste un instant, s'il vous plaît. OK. Alors, sur la question de la Namibie, la discussion aura lieu dans le groupe de contact 4 et puis peut-être ils décideront d'avoir une proposition sur l'objectif sur la santé. On va juste discuter au sein du groupe et puis on
On va voir où ça va nous mener. Donc, merci, chers délégués. Nous sommes à la fin de notre réunion et je clôture cette réunion. Merci.